Et coucou, on se retrouve pour le jour 3 du calendrier de 4 en scrap. Je suis en train de regarder. C'est l'enveloppe qui est abîmée. Une petite. Voilà, bref, c'était abîmé. C'est pas grave. Donc aujourd'hui, petit gnome. Que nous dit ce petit gnome? Alors. Je sais pas. C'est comme une feuille. Ça fait toute la page. Toute la page, toute l'enveloppe. Je pensais à un pochoir, mais non, je pense pas que ce soit un pochoir. Il n'y a pas de creux au milieu. Donc, je ne sais pas. Une image. Je ne sais pas, je ne sais pas. On ne va pas trop perdre de temps, n'est-ce pas? On va y aller, on va découvrir ça. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Attendez, sans. Voilà, non, je peux pas deviner, c'est un papier. Je peux pas deviner. Alors, attention. Ah, c'est des étiquettes. Hop là, c'est tout flou. C'est des petites étiquettes, je crois que c'est vu des petits rectangles. Ouais, ça doit être ça. Oui! Des petites étiquettes. Alors. 14 scraps, les petites inédites 1, édition 2022. Hop là, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais c'était ce qui avait marqué ici. Et donc, voilà pour ce qu'il y a écrit sur les petites étiquettes. Donc, surprise. Oula! Parce que c'est toi. Un cadeau pour toi. Pour le plaisir, fait maison. Attention, fragile, friandise. Juste parce que. 100% local, cadeau, petite bricole, à ouvrir sans tarder. Après, c'est surprise à l'intérieur. Je pensais que ce serait la même, mais non, même pas. Devine, pour toi, en direct du pôle Nord, j'ai pris ça, petit cadeau, juste pour toi, fragile, plaisir d'offrir. Ouvre-moi, douceur, et fait par les petits lutins. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est tout mimi. Voilà. Donc voilà pour le numéro 3 de chez 4 scraps. Hop, je vais ranger ça dedans pour le moment. Hop, et le remettre avec le reste en attendant d'avoir tout découvert et de tout ranger. Je ne sais où encore. Hop, si j'arrive à atteindre. Ouais, 2 est là, 1 est là, 3. Hop, et voilà. Bref, du coup. Oh, c'est tout flou aujourd'hui, j'ai pas compris pourquoi là, mais ça fait que flouter. Bref, j'espère que ça ira. Du coup, bah lui aussi il est abîmé là. J'ai pas fait attention, il y en a plusieurs qui sont abîmés en fait. Bon, c'est pas méchant, mais bon, je vais éviter de trop taquer. Oula, je fais n'importe quoi ce matin. Je vais éviter de trop toucher parce que j'ai pas envie de deviner ce qu'il y a dans les autres pour l'instant, n'est-ce pas? Hop, voilà. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Si, je vous abandonne. Je vous retrouve demain pour le numéro 4. Et je vous souhaite un très bon week-end. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!